sortie de secours. On retrouve Camille Basbas. Salut Camille. Salut Fabien. Où es-tu? Que fais-tu? Écoute, je confine à Troyes. La ville de Troyes, je confine à Troyes. À Troyes, mais tout seul. Voilà. C'était un peu facile, mais bon. Assez tentant. Un peu facile, mais. C'est comme ça. C'est la vérité, en tout cas. Bon, tu le vis comment, toi, ce confinement? Bah, écoute, je le vis très bien, très mal. J'ai envie de te dire que du moment qu'on est en pleine forme, qu'on n'est pas malade, on s'en sort bien déjà. Et puis, tu sais, les musiciens, on est quand même un peu des solitaires aussi. Donc moi, je suis un peu un homeboy. Donc écoute, quelque part, je traîne chez moi avec ma musique dans ma tête et dans mes doigts, comme toujours. Est-ce que la situation qu'on vit en ce moment, c'est pas aussi pour vous, les artistes en général, un moment assez privilégié peut-être pour créer sans être parasité par des éléments extérieurs? Est-ce que tu sens que ça influence un petit peu ta façon d'être? Oh, mais ça influence énormément ma façon d'être, comme tout le monde. C'est-à-dire que musicien, c'est pas non plus un métier à part. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis autant dans la vie que dans les rêves. Non, ça parasite beaucoup. Par exemple, je suis resté une semaine la gueule ouverte dans une, la première semaine, je suis resté la gueule ouverte dans une sorte de torpeur. Heureusement, la charmante Aurélie de Brigitte est venue me secouer les puces pour m'embarquer faire un petit live sur Instagram, je sais pas quoi. Ouais. Ce qui m'a réveillé. Donc, je suis parti dans des phases de faire des sortes de live à la maison devant mon iPhone et non pas devant un public. Enfin, un public que je pourrais toucher, ce dont on n'a plus le droit maintenant. Ouais. Donc, je touche mon iPhone. Le pauvre, il en peut plus. Il est plein de traces de doigts, entre autres. Non, c'est vraiment spécial. On a quand même tous, je pense, le sentiment d'être un peu comme des cosmonautes qui communiquent avec l'extérieur du haut de leur navette spatiale, comme on voit dans les films de science-fiction, où les mecs, ils appellent leur famille par des sortes de visioconférences, je sais pas quoi. C'est très spécial. C'est pas très inspirant au niveau du love. C'est chiant, ça me manque beaucoup, le bordel, les gens, le bruit... Moi, je puisais beaucoup de, comme tu le sais, je puise beaucoup d'inspiration. Dans la vraie vie, ouais. Dans les bars, dans dehors, dans la rue, à traînasser, à choper des idées. Et là, bon, t'es un peu confronté à toi-même, à ton présent, ton passé. Si on suit ta page Facebook, tu trouves quand même le moyen de jouer avec tes complices, avec tes musiciens. Ils la vivent comment, cette situation? J'imagine qu'ils sont un peu dans le même état d'esprit. On était en pleine tournée, les concerts se passaient super bien. Je me vois encore vanner sur scène à Nantes, genre le 5 mars, vanner sur le coronavirus, en disant, on s'en branle, nous c'est plutôt le Stella Artois virus, tu vois, ou le Heineken virus, à me dire, tiens, c'est un coup des autres marques de bière pour niquer Corona. On a tous pris ça un petit peu à la légère au départ. C'est vrai que la prise de conscience est arrivée assez tardivement finalement. Alors malgré tout, vous trouvez le moyen de créer. Si on suit ta page Facebook, vous avez fait d'ailleurs une reprise très sympa d'un tube de Jacques Dutronc. Tu peux nous en parler un peu? C'est le J'aime les filles. Oui. Ben, en plus, c'est le printemps. Alors si tu veux, voilà, il y en a les phéromones. Forcément. Il fait hyper beau. Ouais. On est tous comme des cons à la maison. Donc, et puis bon, si tu veux, malgré tout, moi j'ai quand même envie de déconner. La musique, c'est aussi un entertainment. On n'est pas là, j'ai pas envie de faire chier tout le monde avec nos blues et tout ça. Donc, et on n'a pas pu s'empêcher de faire des sortes de live et de petites chansons à distance grâce aux moyens technologiques, n'est-ce pas, hyper modernes que nous possédons tous. Ouais. Bon, la musique, ça reste une joie, malgré tout, de la faire. Si tu veux confiner ou pas confiner, la musique, elle risque rien. Elle risque pas d'attraper le coronavirus, quoi. C'est mon job, c'est ma joie de la faire malgré tout. Est-ce que tu penses que ce qu'on vit en ce moment, c'est quelque chose qui va nous changer peut-être à tout jamais dans nos comportements, notre façon de voir la vie? J'aimerais bien que... En tout cas, moi, j'ai tendance à positiver perpétuellement. Et j'aimerais bien que ça nous rapproche, en fait. J'aimerais bien que le fait qu'on puisse plus se voir les uns les autres et que
Ça m'a fait un bon flash, en fait, tu vois. Je me suis dit, merde, on était dans des histoires de crise économique, des histoires de guerre en Syrie, de Damas sous le feu, de choses, de guerre de culture, de guerre de religion, les islamistes et ceci et cela. Et finalement, on se rend bien compte que le virus, il s'en fout, de ta culture, il s'en fout de ta religion, il s'en fout de quel pays tu viens, il s'en fout de quelle région tu viens. Moi, en fait, ça m'a fait flasher sur mes amis Rasta, jamaïcains, qui ont toujours trippé sur le chiffre 1, one love, one heart, ce genre de truc, et je pense qu'ils ont raison. Il faut en profiter, putain, bordel de merde de cette vie, et puis peut-être être un peu plus cool les uns envers les autres, et pas tout le temps, et se faire un peu plus de sourire dans cette vie, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que je pense qui va se passer, quand même, pour une bonne partie des gens. Cette phase, elle est un peu introspective, puisqu'on est tous un peu plantés chez soi. Alors, je vois des gens qui vont chercher des vieilles photos de leur enfance, de leur passé, ou je ne sais quoi. Ben, moi, j'ai tendance à aller chercher des chansons que je chante jamais. Et il y en a une qui te tient un peu plus à cœur ou qui te parle peut-être plus actuellement, une de tes chansons comme ça que t'aurais ressorti des cartons? Bah, en fait, la chanson qui m'a sauté à la gueule, c'est pas une chanson que j'ai ressortie des cartons, c'était une de mes ma dernière chanson qui est Je rêve où il y a personne, enfin qui s'appelle Il y a plus de saison, où le lyrics commence par Mais je rêve où il y a personne. D'ailleurs, j'avais fait un clip où on s'était entre guillemets fait chier à tourner à 3h du mat, 4h du mat, il Je faisait m'en rappelle, ouais. froid. Ou à 6h du mat, quand il n'y a personne dans les rues, là, et là, effectivement, il n'y a personne, même à 4h de l'après-midi, en plein soleil, ou même à 6h du soir. Et je me suis dit, mais c'était un peu comme une sorte de vision, comme si j'avais eu un flash, une anticipation, tu vois. Et justement, on va l'écouter, tiens, cette chanson, Camille. Il n'y a plus de saison. Je te dis à très bientôt. Merci d'être passé par Sortie de Secours. Merci Fabien, merci à toi. Mais je rêve où il n'y a personne. Pourtant j'aurais juré qu'avant la fin de l'automne, nous serions deux à dîner. Mais je rêve où il n'y a personne. Pourtant j'aurais juré qu'avant la fin de l'hiver, il y aurait deux fauteuils au coin du feu. Une chose est sûre, il n'y a plus de saison et plus d'amour dans la maison. Mais je rêve où il n'y a personne. Pourtant j'aurais juré qu'avant la fin du printemps, j'entendrais chanter dans la maison. Mais je rêve où il n'y a personne. Pourtant j'aurais juré qu'avant la fin de l'été, tu serais rentré pour de bon. Une chose est sûre, il n'y a plus de saison et plus d'amour dans la maison. Une chose est sûre, il n'y a plus de saison et plus d'amour dans la maison.